C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce workshop-là. Il est bien important pour nous rester dynamiques et proactifs. La crise est toujours là. Nous pouvons trouver qu'à travers le monde, il y a une reprise de sa pandémie-là. Donc, il peut affecter peut-être l'urban demande au niveau extérieur. Et nous, au niveau local, nous devons maintenir sa pression-là nous-mêmes pour être inventifs et trouver une mesure d'accompagnement. Dans le budget, par exemple, moi, dire qu'on met 8 milliards de roupies et au total 15 milliards de roupies pour soutenir l'emploi. Ben, une partie peut être utilisée concernant le secteur touristique, mais nous pouvons aussi travailler comment pour continuer aider l'entreprise qui est capable de trouver un petit peu en difficulté pendant une petite période de temps, le moment qui nous sortit de sa crise de COVID-là qui peut venir avec l'introduction d'un vaccin. Donc bien sûr, là aujourd'hui, pour moi, il est bien important ce workshop-là, ce atelier de travail-là, que j'espère gagner une problème que l'entrepreneur peut rencontrer actuellement et trouver une mesure qui peut permettre de passer sa période difficile-là aller jusqu'à la fin de l'année financière qui termine en juin 2021. Mon budget, le budget qui nous est préparé, c'est un budget 2020-2021 avec une série de mesures et aussi un espace pour continuer aide à l'entreprise, en particulier à l'entreprise, à la PME. CSG, nous tu mets en place, c'est vraiment dans nos philosophies. Sa philosophie qui nous prend un petit guide avec Ban qui en a beaucoup pour permettre aide ban qui plus vulnérable. CSG nous paye baisse charge patronale et aussi cotisation sociale pour ban employé. 89% ban employé pour payer moins et 84% ban PME pour payer moins et 81% de total entreprise pour payer moins. Donc, en général, une grande majorité ban entreprise et ban employé pour payer moins, ce qui un côté pour dégage un pouvoir d'achat pour ban employé et de l'autre côté pour dégage aussi une capacité financière pour ban entreprise. Là, je peux améliorer notre compétitivité, je peux recruter d'autres personnes ou engager dans les autres investissements. C'était ça l'objectif aussi de la CSG quand nous sommes venus avec sa réforme.